J'ai grandi pas loin d'ici, dans le 3e arrondissement, où les rêves se font endormis. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais il y avait Monsieur Desilets, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer, je coulerais le test du ministère. Lundi, j'enverrai mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Desilets m'a tendu un crayon banal roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit: ce crayon-là, il est magique, prends-le demain pour l'examen. Et c'est les réponses et les répliques. Je suis pas du genre à croire tout ce qu'on dit, mais mon prof inspirait confiance. Puis je voulais croire un peu aussi que j'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de mentir, non, le crayon était vivant. Et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. J'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même pas un voleur. Mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai mis le stylo dans ma poche, puis je suis parti en courant. La conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenu l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais. Mais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli, le crayon vainquait les pages blanches, moi, je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien, que je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père s'usait les mains. En plus, j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon ou que me dénonce mon professeur. Le sang serait vraiment fini pour de bon. Soir à une séance de dédicace, tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit: Monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon. Il m'a souri tristement en disant: t'as toujours pas compris, il est dans ta tête ton grand talent. Le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant, je suis si fier de toi. Y'a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins 3 fois. Moi je me suis levé d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou, la vérité me donnait des ailes. Tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. La lumière brillait sur les toits et les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, non, j'ai écrit sans m'arrêter le nombre de feuilles que j'ai noircies. Je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire de la magie. Car dans le 3e arrondissement, les rails volent pas très haut, on les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusqu'à dans la cour d'école, on comprend vite dès qu'on est petit qu'il y a juste les oiseaux